Enlève-le mon mulet. Il est parti où là? Chercher son casque, chez Thibaut, il arrive. Ouais, je l'ai vu là. Bon, 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 bon. Aïe. Oh, vas-y, envoie la bouteille. Dis-toi. On attend. Oh, il noir là. Hein? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il fait ce branleur? Putain. On va le prendre, on va le taper à mort, hein. Oh, il est là. Maintenant, c'est dit de ne pas rester à son régime. De ne pas rester à son régime et l'accélérer en son cas. Alors pour moi, son régime, c'est pas quand le motard il fait ça à cause. Comme ça là. Là, il force. Là, c'est à son régime. Là, c'est pas à son régime là. Là, pour moi, c'est pas du son régime. Essayez de me confirmer ça dans la vidéo parce que c'est du mal avec le son régime. Enfin, le haut régime, je sais, le bas régime aussi, mais le son régime, je connais pas. Je sais pas si ça veut dire le dessous du haut régime ou du ouais, être en dessous du haut régime, je sais pas si c'est ça. Je prends un commentaire si je vais taper un petit peu. Oh, je m'attendais là, c'est un bouton. Oh, mais t'as ton guidon, il est tordu. Ouais, c'est mort, attends. Ouais, attends, je vais te redresser de deux. Non, la dernière fois t'as trop glissé, je pense, j'ai essayé. Je sais pas. Il est tordu, attends là il est droit. Il est ok. Là ouais il est droit. Ah j'ai trop serré je crois. Ou alors t'as la fourche elle est tordue. Bah c'est quoi. Oh con, mais t'as tordu la fourche gros. Ah ouais. Oh, t'as les bateaux ils sont comme ça. Au lieu d'être comme ça, ils sont comme ça. Et là t'as la roue au milieu tu vois. T'as les bâtons comme ça et t'as le bâton comme ça. Au lieu d'être comme ça c'est comme ça. Faut que tu changes ta fourche. Je suis sûr t'as cabré et t'as atterri avec le guidon tourné. Non 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 je suis tombé.
T'as fait comment? Ah ouais, t'es tombé. Ah ouais, bah ça t'a niqué la fourche. Ah, sa fourche elle est comme ça, frère. Là, tu regardes comme ça, t'as le bâton il part comme ça et celui-là il part vers le haut comme ça. Et t'as vu tout à l'heure à la gare quand je me suis penché. T'as pas vu, ça fait un truc bizarre? Elle est morte ta fourche. Putain. Ouais, elle est comme ça, faudra la changer, Khaï. Hein? Ça craint pas trop trop, non? Non, mais c'est bizarre après un jour, c'est bizarre quoi la conduite. Ouais, pour la conduite, c'est bizarre. Quoi. On va passer dans un tunnel, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent. Vous allez écouter le son. Je l'ai remarqué. Ah, il faudrait qu'il se prenne une moto aussi, une 50 comme nous. Enfin, comme moi quoi. Oui.
ma gueule. Oh merde, en vrai cette petite mobilette là. Je suis derrière nous là. Ah aussi il faut dire qu'il y a plus de lune. C'est pas commun mais il y a de l'huile de boîte qui s'est mis dans, qui s'est mis dans le vibroteur. Alors qu'on a changé les joints ski. Les joints ski du côté embrayage avec le. Avec le joint touride. Et de l'autre côté aussi au jeu de l'allumage. Je comprends pas ça. Il y a plusieurs de lui qui passe dans mon moteur. Alors moi je pense plutôt que le joint du milieu du chercheur, plutôt au milieu du chercheur, les joints là, qui sépare le bardo et la boîte, les joints là voilà. À regarder. Donc il y aura aussi une vidéo sur ce moteur là, cette mobilette là, le moteur de la mobilette. Il y aura un démontage totalement de la boîte à vitesse, vidéo, roulement et joint speed. On va tout remettre à neuf. Question roulement et jointure, on va tout remettre à neuf. Et voir peut-être aussi pour une compensation ou un piston. Donc voilà. Ça va pas tarder à arriver. Donc voilà, juste pour info. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir les dernières infos comme là quand je vais faire le moteur. Donc voilà. Et ça, ça monte pas bien. Je suis pas obligé de donner plus fort. On va lui offrir de la déroute. Allez. Voilà ma gueule, tu prends dans la vitesse. Il y a des bons virages là. Allez, accélère, accélère, n'a pas peur. Ça passe. La route est bonne. Voilà, tu prends large. On dirait bien qu'il n'y a pas de voiture. Ça appuie sur les calcaires. Comme il m'a appris, le meilleur ami de ma mère. Il m'a appris, big up à toi. Je ne sais plus ton prénom, excuse-moi, vraiment. Merde. Ah putain, j'ai oublié, ça me base. Bon, mais tu te reconnaîtras. Tu te regardes les vidéos. Comme quoi tu m'as conseillé d'appuyer avec mes pieds sur les papiers. Et franchement, c'est le top du top. Quand tu roules à 80, 70, dans les virages, ça passe tout seul. Vraiment, je ne sors plus, je ne ressors plus sur ce virage. J'ai plus confiance, tu vois, j'ai fait un peu plus de confiance, je n'ai pas trop non plus, parce que voilà, j'ai plus appris quoi. Mais franchement, merci pour l'info, comme voilà, merci à lui. Viens ma gueule, viens ma gueule, viens ma gueule. Ah, elle est trop bonne cette poule. Franchement, elle est trop mal elle cette poule. On va essayer d'apprendre à haute vitesse. Voilà, tu vois, on sort plus dans les virages. Franchement, j'ai eu plus de sensations. Là. Voilà, là j'ai violé, comme tu m'as dit. Oh putain. Oh oh. Ah, j'ai le truc à toucher le sol, mais bon. Oh putain. Oh putain, j'ai les calcés qui touchent. Oh. Ah, je vais mettre tout comme ça alors. Elle me casse les couilles. En fait, quand vous allez tirer avec les pierres, pour la violence, là j'ai encore repoussé, mais bon. Ouh, mais en fait, je pense trop, quoi. Voilà, là, mon pierre, il est mort. Hein? Ouais, mais de ouf, t'as vu? Ouais, ma gueule, ouais. Ouais. Ouais mais ça va, tu gères de ouf oh. Ah là t'as un bon niveau hein, t'es comme un bon niveau. Après t'as des virages, tu mets ton port comme ça et tu tournes ton guidon comme ça, ouais, si tu passes comme ça. Ouais comme ça et le scooter à l'extérieur. Eh c'est chaud hein. Ouais mon gars. Bah viens on regarde bien sur le côté, on roule tranquille. Ouais. Ah ouais. Hein? T'avais pas vu ton coup?
Ouais, ouais. Ouais, c'est pas la cartouche pour les nuits. Hein. Mais le kit 80 pour les nuits, ouais. Ouais, mon merde. Ouais, voilà, comme ça, ouais. Ouais, tu mets ton corps comme ça et le scooter, en fait, tu le tiens comme ça. Ça fait avec une bidon. Ouais, attendez, je suis à moitié poigné, il me trace. Ouais, tu m'en as moyen avec lui. Noël, vous attendez, oh! Waouh, mais c'est quoi cet endroit de poche? C'est bien, il lui fait l'assistant pour descendre. Vas-y, vas-y, lâche, 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 lâche. Tu cours jusqu'en bas. Vas-y. Tiens, moi aussi, je te tiens si tu veux. Si il t'embarque dans la descente, on sait jamais, oh. Ah, petite rivière posée, moi. Oh, la cascade. Ah, tu l'as déjà pris, la cascade, là? Non, mais la, normalement, la cascade... Il n'y a pas autant d'eau, tu peux t'asseoir et tout. Non. Et là, vu qu'il a plus sa mère, et ben... Ah ouais, il y a autant qu'il y a d'eau. Voilà, voilà, ça va. Voilà. C'est vrai que là, c'est mouvementé, hein. Ah, ouais, je vais faire quelques plans. Allez, bouge ton oignon. Bouge ton oignon, il est dit. Ah ouais, c'est d'où? Ah ouais, d'où? Ah oui! On monte ici. Wow! Oh, balèze! Oh, y'a un trou là, non? Ah ouais! Oh, toi! Ah, j'ai pas pu le traiter comme un con. Hippie, ah ouais? Deux. Ah ouais, y'en a qui connaissent ici. Y'a pas trop le monde. Je vais voir cet été, ça va être blindé. Oh, on viendra ici. Oh, oh c'est balèze là. Ouais. Mode ralenti là, avec les vagues qui tombent ralenti. Oh, j'ai cru que j'allais me péter. Oh, j'avais le. Je me suis touché comme ça, j'ai un caillou qui m'a pété, j'ai failli me péter le poignet. Oh, j'ai senti une pression, j'ai cru que j'allais me péter le poignet. Oh, je suis tombé bêtement, hein. Comme une merde. Oh, en plus, je l'ai filmé, sa mère. Oh, gamin du jour.